samedi. Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau Cali Vlog. Je me retrouve avec cette belle tête parce que je ne tiens plus. Voilà, j'aimais bien mes petits cheveux blancs là, mais ça je peux plus. J'ai tenu plusieurs mois, très longtemps, voilà, mais là je peux plus. Le dégradé, le... Voilà, donc ouais, je ne me suis pas encore maquillée et tout. Du coup je fais ça première heure samedi, enfin première heure il est 10h30. Parce que Lana avant a eu son truc. Bon, je vous ferai une intro tout à l'heure digne de ce nom. Je vais aller faire ça comme toujours. Mais c'est des trucs, c'est des colorations que j'ai achetées il y a plusieurs mois que je devais faire. J'avais dit ah bah non en fait je vais pas faire, j'aime bien mes cheveux blancs. Sauf que le problème des cheveux blancs c'est que le reste ne reste pas brun. Il vire au... Voilà. Donc j'aime pas du tout, ça m'a gavé. Donc je vais aller me faire ma petite coloration, prendre ma douche et je vous reprends pour une intro digne de ce nom. Bon, voilà, je suis désolée, je vous ai pas filmé, je galère, j'avais oublié à quel point c'était gare, ça fait 30 ans que je l'avais pas fait moi-même. Et au final, j'ai utilisé qu'une boîte, j'ai pas ouvert la deuxième, donc ça c'est plutôt cool, c'est vrai que j'ai les cheveux plus courts qu'avant. J'espère que j'ai bien mis, que ça va pas être trop mal fait. J'ai Nico qui est en call derrière avec son boss, et j'ai Lana en haut qui écoute du Aya Nakamura Pookie. Me demandez pas d'où ça sort. Comme ça. Voilà. Bref, je laisse encore 20 minutes, même pas, il reste moins de ça, et je rince, et je vous reprends cette fois-ci pour une vraie intro. Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau Cali Vlog, voilà, back to brunette, alors là, je suis bien bon, non, ils sont encore mouillés, hein. Je suis aussi noire que mon t-shirt, voilà, c'est mieux, parce que j'en pouvais plus. Voilà, j'ai essayé, mais ça fait très longtemps hein, que je laisse normal, mais là, le rouge, je pouvais plus, ça fait cheveux abîmés, dégueulasse, en bref. Je préfère comme ça. Écoutez, je vous reprends aujourd'hui. Nous sommes samedi 21 septembre 2024. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette semaine, je devais vous faire un cali. C'était prévu. Sauf que la semaine a été chaotique. Voilà. En fait, mardi, je devais... Bon, lundi, je montais mon vlog. Donc, généralement, le lundi, je vlog pas parce que le lundi, je monte mon vlog. Donc... voilà, la matinée elle passe. Avant, Lana avait français lundi après, mais on l'a bougé au mercredi par rapport à des soucis de trafic, de trajet pour son prof. Donc bref, en tout cas lundi j'avais pas filmé. Mardi j'étais toute contente de vous reprendre parce que je devais aller à l'outlet avec Virginie faire un peu de shopping. Voilà, je voulais vous faire un haul, enfin trop bien. Bah, ça sera dans ce vlog là, hein. Du coup je décale d'une semaine. Sauf qu'en fait le chien au réveil il était trop bizarre. Il faisait pas de câlins, il était assis et il tremblait. Il hésitait à aller dans la chambre de Lana, monter les escaliers. Quand il est monté, il n'arrivait plus à descendre. Enfin, il était hyper méga chelou. Il a mangé, mais hormis ça, il était vraiment bizarre. Et à un moment, je lui ai palpé le ventre et j'avais l'impression qu'il avait un côté qui était plus gonflé que l'autre. Sachant que deux jours avant, il m'avait vomi. En fait, j'avais acheté des tendons de bœuf. Ben, je vous les avais montrés, je crois. Il m'en reste un, autant te dire que je ne vais jamais lui donner. Ça, je lui avais donné ça. Le même que ça. Non, ah. Il a entendu. Et en fait, il m'a vomi deux parties là, deux petits rectangles de cette partie-là. Genre deux jours après ou le lendemain. Non, c'est juste pour ma vidéo. Non, t'enflamme pas, t'en as déjà eu un hier. Et en fait, je me suis demandé s'il n'avait pas une occlusion et qu'il avait mal. Parce qu'en fait, il tremblait, il était vraiment bizarre. Il faisait, au réveil, d'habitude, il me lèche. Enfin, on a tout un cérémonial quand on se réveille. Et là, rien. Enfin, bref. J'ai paniqué. Lana, la pauvre, elle est partie au collège. Elle savait pas si son chien allait bien ou pas. Et en fait, je l'ai emmenée tout de suite aux urgences. D'ailleurs, c'était les mêmes urgences que là où on est allé pour Buddy le dernier jour. Super, c'était des super souvenirs. Et voilà. Enfin bref, j'étais en panique totale. Je les voyais déjà lui ouvrir le ventre pour lui sortir le truc qui était coincé. Enfin, j'étais partie là-dedans. Et en fait, trop bizarre, je suis arrivée. Il était encore trop chelou. Il tremblait sur moi. D'ailleurs, le seul truc que j'ai filmé, c'est ça, c'est dans la voiture. Voilà, il était comme ça, en fait. Et c'est pas du tout son état normal, hein, donc trop bizarre. Et en fait, après, le veto est venu. Enfin, il nous a mis dans un box, dans une salle. Et elle a ausculté. Et là, ça allait beaucoup mieux. Il était re-alerte. Il y avait des chiens de l'autre côté de la fenêtre. Il était au taquet. Enfin, petit à petit, il est redevenu mieux. Et en fait, elle a examiné et tout. Elle a pas vu de problème. Donc, au final, elle n'y a pas fait d'imagerie ou quoi. Mais c'était trop bizarre. Enfin, du coup, on sait pas ce qu'il a eu. On sait pas, inexpliqué, est-ce qu'il avait mal quelque part, est-ce qu'il y avait un truc coincé qui s'est décoincé, franchement trop bizarre, mais c'est passé et il était de retour à lui-même le temps qu'on revienne à la maison. Enfin du coup je l'ai sorti après,
là où je cours d'ailleurs, pour le faire aller aux toilettes. Et en fait, nickel, rien à signaler. J'ai toujours pas compris ce qui lui était arrivé. Ce que je sais, c'est que j'ai eu très peur. Du coup, j'ai tout annulé avec Virginie parce que je voulais rester avec lui toute la journée. Je voulais surveiller, quoi. C'est là que j'étais très reconnaissante de pas avoir un boulot salarié, parce que si j'avais dû aller au travail en laissant mon chien dans cet état-là, je suis pas sûre que j'aurais passé la journée. Enfin bref, du coup, j'ai pas filmé mardi. Mercredi, c'est rien passé. Mercredi, bah du coup, elle a eu son cours de français. Et c'est jeudi. Alors attends, j'ai couru mercredi. Et jeudi, ah oui, j'ai passé une nuit pourrie mercredi soir. Et du coup, jeudi, je me pose devant Kaizen, là, de Inoxtag. Et là, j'ai le collège qui m'appelle. Alors, quand le collège vous appelle, c'est comme les coffres. Enfin, c'est pas bon signe. Et là, j'entends la petite voix de ma fille qui me dit qu'elle a mal à la tête, sachant que la veille au soir, elle était tombée sur la tête au chien. Donc moi, qu'est-ce que je dis? Elle a une concussion, commotion cérébrale. Désolée, je l'utilise jamais en français, ce mot. Et du coup, bah, je l'emmène aux urgences. Je vais la chercher au collège alors qu'elle avait encore école. Hein. C'était quoi? 14h? 13h? C'était juste avant ton band. En bref. Et au final, elle a fait une batterie de tests aux urgences de est-ce que t'as vomi, est-ce que ils ont posé plein de questions, est-ce que tu t'es sentie très fatiguée, est-ce que tu t'es sentie avoir la tête qui tourne. Ils l'ont fait faire des plein de mouvements, serre mes doigts, serre mes trucs, marche, comment on appelle ça en français, l'un pied devant l'autre là, comme si t'étais sur un fil. Enfin bref, ils l'ont fait faire tout plein de petits exercices comme ça, qu'elle a tout fait nickel. Et en fait, bon, ils ont dit, on va pas lui faire un IRM, un CT scan. C'est IRM, CT scan. On va pas lui mettre des ondes, alors que là, il y a rien de dramatique, sachant, elle a regardé aussi s'il y avait du sang derrière dans les oreilles, enfin derrière le truc là, derrière les tympans ou je sais pas quoi. Et en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est que bah, ça faisait déjà plus de 12 heures, et elle m'a dit, ce genre de truc, ça va que en s'améliorant. C'est pas maintenant là qu'elle va tomber dans les pommes. C'est sur le coup si elle aurait dû le faire. Donc elle m'a dit, écoutez, repos. Donc elle a été excusée de se... elle aurait pas dû aller à l'école vendredi, mais comme elle avait un test et qu'elle se sentait mieux, elle a voulu y aller quand même. Mais bon, j'étais en garde. C'est-à-dire que je voulais à la base emmener Oreo à la plage, me promener. J'ai fait non, je vais rester dans les environs parce que j'étais sûre qu'elle allait m'appeler dans la journée, mais en fait non, elle a fait toute la journée quand même nickel, très bien. Et en fait, voilà, du coup, elle n'y a pas fait d'image et du coup, ça va depuis, nickel. Donc, plus de peur que de mal, mais waouh, la semaine, quoi. C'était vraiment compliqué cette semaine. Donc, écoutez, c'est fini, on est samedi, j'espère que tout ça est derrière nous. Là, on est à la maison. Ce matin, elle avait donc, il faut absolument que vous regardiez le vlog d'avant si vous ne l'avez pas vu pour comprendre ce dont je vais parler, mais le truc qu'on va faire à Los Angeles en janvier, l'événement d'acting. Incluait des formations, et là en fait elle a eu une formation sur un monologue. Elle a dû faire un monologue. C'est toi qui l'as écrit, hein, le monologue, hein? C'est toi qui l'as écrit, le monologue? Alors en fait elle a rédigé elle-même, elle pouvait chercher sur internet. Moi, ChatGPT m'en avait sorti un super aussi, mais en fait elle en a écrit un. Les seules consignes, c'est que c'était recommandé que ce soit un dialogue avec quelqu'un et que ce soit assez positif, pas un truc trop dark, pas un truc trop déprimant. Et que ce soit age appropriate, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui correspondait à son âge. C'est-à-dire qu'elle ne devait pas jouer le rôle d'une femme de 60 ans. Il fallait que ce soit le rôle d'une petite fille de son âge. Donc elle a fait un truc super chouette d'une discussion avec une copine qui a beaucoup plu au monsieur ce matin. Il lui a donné des super... Donc c'est un des acteurs de Casey Undercover qui est super sympa. Et c'est Connor, il s'appelle ? L'acteur, je sais pas du tout c'est quoi son nom dans la série, je regarde pas, des fois je regarde un peu quand elle regarde, là d'ailleurs j'ai capté que c'était Zendaya parce que j'entendais toujours parler de Zendaya et en fait c'est elle, tu vois, mais maintenant je mets un nom, enfin j'ai connecté les dots comme on dit ici. Et bref, c'était très sympa le live, ils étaient 9 petits, les 9 faisaient leur monologue, ils leur faisaient les retours, ils les coupaient, ils réajustaient, et au final Lana à la fin c'était génial. Donc c'est le monologue qu'elle présentera dans la compétition de monologue à l'événement de Los Angeles. Et voilà, elle en a un autre demain matin à 9h sur un monologue aussi mais avec un autre acteur. Et jeudi elle en a un sur les pubs, il faut qu'elle choisisse une pub et qu'elle la joue. Et voilà, il y aura des pubs, monologues, et je sais plus ce qu'il y a d'autres. Enfin, il y a plusieurs thèmes comme ça. Il y a quelques zooms comme ça jusqu'à janvier.
Et voilà, et là Nico est parti à Toyota emmener ma voiture parce qu'elle avait besoin d'une révision depuis très longtemps, il était temps, elle faisait que sonner. Et ce soir, on va aller voir Beetlejuice au cinéma, au SAP Center. Donc ça, ça va être cool. Et voilà, écoutez, je vous embarque. Voilà, je ne vous ai pas pris cette semaine pour toutes ces raisons qui étaient... Franchement, ce n'était pas une bonne semaine. Hein. C'était... La semaine dernière, elle était super chouette, mais alors celle-là, c'était pas la semaine du siècle. Hein. J'espère que ça va aller mieux. San José les Bains, c'est la Golden Hour, c'est trop beau. Ah oui, il y a l'allée de Palmito là-bas. Tu vois pourquoi le SAP Center, je le voyais à droite, moi? Bah non, pas du tout, il est juste là. On est vraiment dans le centre-ville de San José les Bains.
Alors, je vous reprends. Nous sommes lundi. Il est bientôt 9h du matin. Alors, je sais pas si vous avez entendu. Le lundi, normalement, c'est ma journée montage et slash ma journée boniche. C'est là où je fais le linge, que je range la maison, tout ça. Alors, j'ai pas de montage à faire parce que voilà, des petits couacs au niveau du planning la semaine dernière, et du coup j'ai pas de Calivlog à monter, c'est celui-là le prochain qui sera monté. J'ai fait ma session boniche, par contre j'ai commencé à faire mon tri du linge, rotation, tout ça. J'ai une vaisselle à faire parce qu'on a toujours pas de la vaisselle et normalement il nous livre jeudi. C'est pas le proprio il a fait son boulot, il a commandé, d'ailleurs il est même pas venu essayer de réparer, il a dit je vous en prends un nouveau parce que je pense que celui qu'on avait était assez vieux. D'ailleurs même quand il fonctionnait, c'était le pire lave-vaisselle qu'on ait eu, le truc qu'il n'avait pas beaucoup. Il fallait laver la vaisselle avant de la mettre dans la vaisselle, vous voyez le genre. Enfin bref, en tout cas, on devrait la recevoir jeudi, mais en attendant, il faudrait que je la fasse à la mano. Et voilà, je ne vous ai pas fait de retour, donc en fait ce matin, normalement c'est montage, donc je monte les Calivlogs, mais en fait... Là, ce que je vais monter, c'est que j'aimerais bien faire un reel de samedi soir de Simone Biles. Je vais faire ça tout de suite. Je suis un peu inquiète parce qu'en fait, j'ai posté 2 stories d'elle avec juste une photo d'elle. Une où elle est debout trop belle et une où elle fait coucou à Lana. Et les 2 stories ont sauté. Je les ai pas dans mes archives. J'ai l'impression que vous les avez pas eues pendant 24 heures. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je sais pas si Simone Biles s'est protégée sur Instagram ou je sais pas. J'ai même pas eu de notif d'informations de suppression. Je comprends pas ce qui s'est passé et là je vais me faire un réel que je vais mettre certainement beaucoup de temps à monter puisque je voudrais une musique spéciale et enfin je voudrais faire ça super bien. Si le truc il saute au bout de 2 minutes, je vais être dégoûtée. En tout cas, je vais le faire quand même. Voilà, je voudrais faire ça sur la musique de This is the greatest show. Donc ce matin, je dois faire ça. On dirait pas comme ça, mais ça va me prendre beaucoup de temps. Il va falloir que je fasse absolument le CV de Lana dans le cadre du truc de Los Angeles. Parce qu'il faut que je l'envoie avant mercredi. En fait, elle en avait déjà un de CV, j'en avais fait un. Mais moi, j'avais fait ça un peu en mode CV pro, niveau de l'organisation des infos et tout. Et en fait, là, c'est un type de CV particulier. Et du coup, il faut que je refasse tout le format. Il n'y a pas de photo. Enfin, c'est un truc un peu particulier. Si je trouve une trame vierge, là, je vous mets la trame vierge, voilà, comme ça. C'est à ça qu'il doit ressembler. Donc, il va falloir tout que je le refasse. Ça ne va pas me prendre 10 ans. Mais il faut absolument que je le fasse aujourd'hui parce qu'il faut que je l'envoie à la nana et qu'elle me le valide pour qu'il soit prêt pour mercredi. Et j'ai ressorti l'imprimante 3D aussi il y a quelques jours parce que j'essaye de faire un truc. Ça c'est le dos. Hein. J'essaye de faire un truc pour le cheer, pour les filles, que je ne veux pas vous montrer parce que je vous dis il y a des yeux. Mais je vous montrerai dès que c'est fini. Je pense que je ferai même peut-être un reel dessus parce que vraiment je vais me faire bien chichi. Et en tout cas, on avait trouvé un template du motif qui est de l'autre côté. Hein. Là, c'est le derrière. Ça sera collé. Pardon. Ça, ce sera collé. Mais le truc, c'est qu'il y a trop de détails. En fait, c'est un. Bon, attendez, je vous montre. Ouais, mais vous allez comprendre si je vous montre ça. Ça va pas. Enfin, c'est pas pour vous, c'est pour les filles si elles tombent dessus. En fait, là, il y a le motif. Si vous mettez la pièce de profil comme ça, là, les motifs, ils sont en dégradé. Et comme le fil est assez épais, c'est caca parce que c'est. Le fil est assez épais et là c'est trop fin. Faudrait que le truc soit imprimé en comme ça pour que ce soit nickel. Sauf que le support sur lequel je veux le mettre est tout petit. C'est trop gros. Ça déjà c'est trop gros. Ça ce serait la forme idéale. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais tout refaire sur l'ordi le design. Et du coup il faut que je me remette sur les vidéos. Parce que moi je sais faire du Photoshop, il n'y a pas de problème. Et tout ce qui est en 3D et tout je maîtrise. Enfin je l'ai très peu fait. Je l'ai fait pour faire des emporte-pièces en poterie. Mais c'est tout. Donc je vais m'en occuper ce matin. Et je vous dis, je vous montrerai ça dans tous les cas quand ce sera donné. Hier, je vous ai pas appris. Ah oui, alors je vous ai pas débriefé sur Simone Biles. C'était très très bien. C'était mi-gym, mi-danse. Il y avait beaucoup de danse. Il y avait donc plein d'athlètes. Il y avait notamment Mélanie, comme vous m'en aviez informé en amont. Mélanie qui vient de France. D'ailleurs, il y a tout un passage où elle dit Lena, qu'est-ce qu'elles disent? It's gonna be funny.
Je crois que c'est Fanny, et elle a dit, comment on dit Fanny en anglais, en français, amusant. Ah, et donc là, il y a tout le monde dans Simone Mas qui dit, ah, oh, ça va être amusant, enfin, c'est trop mignon. Donc voilà, il y a une petite dédicace à la France dedans aussi, c'était trop mignon, et je l'ai vu du coup, il y avait plein de garçons aussi. Enfin voilà, vous avez eu quelques images là, mais je pense que le mieux c'est d'aller voir le reel, parce que j'ai plus filmé avec mon téléphone, parce que ma caméra de vlog, comme il y avait des gens devant, la mise au point, elle était tout le temps caca, donc au bout d'un moment, j'ai laissé tomber, j'ai tout fait avec le téléphone. Mais c'était très 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 bien, il y avait vraiment, c'était plusieurs tableaux en fait, à un moment c'était Barbie, à un moment c'était Hôtesse de l'air, à un moment c'était le fait qu'elle soit Rise, donc il y avait tous ces commentaires de haters, et du coup t'avais elle qui arrivait en mode bah voilà j'ai dépassé tout ça et tout, c'était vraiment très émouvant, c'était vraiment super 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 sympa, je suis pas sûre qu'il passe partout. En tout cas, si il passe près de chez vous et que vous êtes fan de Simone Biles, allez-y. Nous, vous avez vu, on était bien fan, on l'a bien suivi pendant les JO. J'étais trop bien de l'avoir à 3 mètres de nous. C'était vraiment génial. Et voilà. Et c'était une belle hymne à la gymnastique. Alors nous, on est plus cheer que gym, mais bon, on est. Enfin, moi personnellement, j'en ai fait quand j'étais petite et j'ai toujours adoré. Enfin, je trouve ça très très beau à regarder. Et c'était vraiment très bien, c'était vraiment très 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 bien, ça a plu à tout le monde, à Nico, à Lana, à tout le monde, et voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire dessus, enfin, c'était génial, et je vous dis, vous avez les images notamment dans le reel. Hier, après mon running, je suis passée chez McDo, je sais pas si je vous en ai parlé déjà dans ce vlog, je vais vous mettre la séquence où Lana, elle a ouvert, donc c'est une collab entre Crocs et McDo, qui font des cadeaux dans les Happy Meal, je vous mets là une séquence que j'ai filmée quand Lana a découvert parce qu'elle était pas au courant. Non, tu choisis pas. Ça change toutes les semaines apparemment. Tu préfères laquelle avant d'ouvrir? Attends, tu préfères laquelle? De quoi? Regarde sur le côté, t'as les exemples. C'est les mêmes. Mais tu préfères laquelle de Crocs? C'est les mêmes. Non, là. Ah. Il y en avait pas une avec des frites dedans? Des frites? Ouais. Non. Alors celle-là. Laquelle? Celle-là. Ok. Avec les Happy Meal. C'est les mêmes dans les deux boîtes. C'est les mêmes? Oui, parce que ça change chaque semaine. T'as regardé? Oui. Je les ai remballés pour toi. Pour que t'aies le kiff. Ah, j'ai comme ça et tout. C'est trop fort. Il y a des petits stickers pour mettre dessus si tu veux. Il faut qu'on fasse une photo avec... avec tes vrais Crocs, ouais. C'est vrai. Ouais, tu peux pas stunter là, hein. Un peu petit. Sympa, hein? Ouais, c'est trop bien, du coup, je suis la meuf. Ouais. Ouais. T'en as une pour toi, une pour moi. Vas-y. J'ai posté sur Insta, les gens en France, ils sont trop jaloux parce qu'ils les ont pas. Je pense que je vais en acheter et je vais faire un concours. Voilà. Trop fort, hein? Et donc, suite, j'avais posté un reel sur Insta et dans les commentaires, comme en France, vous avez plus droit aux jouets en plastique. En fait, je vous en ai pris deux. Alors, je sais pas trop combien je vais en gagner parce que ça, c'est la même. Mais j'irai peut-être mercredi, là, après mon running aussi. Je vais essayer de vous en collecter quelques-unes que je n'ouvre pas. Alors, en fait, on peut deviner laquelle c'est sur Instagram. Il y a on voit le rapport entre la chaussure et la boîte. Voilà. Mais voilà, moi je sais laquelle c'est. Et en tout cas, depuis ça change chaque semaine. Là le problème c'est que j'ai eu deux fois la même. En tout cas, je vais vous en prendre plusieurs. Et le but ça va être de vous faire un petit concours quand ce vlog sera sorti juste après sur Instagram. Donc suivez-moi sur Instagram d'ici là. Et je vous ferai un petit concours pour et je vous enverrai ça pour gagner. Je vais garder les boîtes. D'ailleurs je suis contente, j'ai réussi à en garder sans qu'il y ait de gras. Au fond, elles sont toutes propres, donc je vais la démonter, enfin la désassembler, voilà, et je la mettrai à plat et je vous la joindrai dans le colis. Voilà, si ça vous intéresse, si vous êtes fan de McDo et de Crocs, ou des deux, il y aura un petit concours, parce que du coup, vous ne les aurez pas en France à cause de la loi sur le plastique. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que je devais vous dire. Et hier, j'ai pas filmé parce qu'en fait, le matin, j'ai couru. L'après-midi, j'ai emmené Oreo à la plage. C'était ce que je devais faire vendredi matin. Mais du coup, j'ai pas pu parce que j'étais de garde par rapport à Lana. Et Lana et Nico se sont occupés
de leur chambre. Donc, Nico, elle a mis ses posters, Lana, elle a mis ses lumières. Enfin, le but, c'est d'essayer de finir tout ça un jour, parce que nous sommes quand même le 23, dans un mois, c'est l'anniversaire de Lana, le 23 septembre. Et ce serait bien que la maison soit finie au niveau du rangement et tout ça, et que je puisse vous faire un house tour, mais surtout qu'on arrête de vivre dans des cartons, quoi, parce que ça fait quand même plusieurs mois maintenant qu'on a déménagé, il serait temps que ce soit fini. Bref, il y a les flashs là, parce que du coup, elle a encore un zoom tactique jeudi après l'école. Donc, comme c'est relou à monter et démonter, il y a le chien qui est juste assis, non, vous le voyez pas. Il est assis en long. Voilà. Comme c'est relou à monter et démonter, je les laisse là, parce que c'est bientôt, puis j'enlèverai quand tu auras un long moment entre deux zooms. Bref, je vais vous laisser là, je vais monter ma petite vidéo. Ça va être dans ton panier parce que je vais être au bout. Il est 10h50. Bon, je viens d'aller faire ma rotation de linge. Mais je viens de poster mon reel à l'instant. En gros, j'ai mis 1h30 à monter un reel de 2 minutes 40. Il est long, hein, 2 minutes 40, je crois. 2 minutes 40, c'est assez long quand même pour un reel. Mais bon, c'est comme quand je fais mes vidéos concerts. Elles sont toujours très longues. Alors, je sais que je suis pas sûre que beaucoup de gens vont jusqu'au bout. Mais moi, c'est important pour moi d'avoir ma petite vidéo comme je veux. Je suis bien contente, j'ai mis la musique que je voulais, j'ai synchronisé comme je voulais. C'est comme je voulais, donc très bien. Bref, je vais attaquer le truc en imprimante 3D. Je vais voir, j'espère que je vais y arriver. Et voilà, écoutez, je pense qu'on va se commander un petit poké à midi. Parce qu'on reçoit les... On m'a demandé si on recevait toujours les plats, là. Oui, toujours, mais c'est le mardi. Donc le lundi, généralement, il nous en reste pas beaucoup. Ou il nous en reste pas, je crois qu'il nous en reste pas, là. Donc... on va se prendre un petit poki. J'aime bien le poki du jeudi se transformer en poki du lundi. Voilà. Mais des fois, il y a aussi un poki jeudi. N'importe quoi. Bref. Enfin, ça fait long. C'est rare qu'il y ait les deux quand même. Je vais attaquer ça. Je vais attaquer l'imprimante 3D. Souhaitez-moi bonne chance que ça fonctionne. Je sais même pas si je vous l'ai dit. Je viens d'arriver. Je vais faire un pie night avec mes copines. Ça fait une éternité que j'en ai pas fait. Je vais aller faire une petite croûte. Parce que même si je suis pas douée, j'aime beaucoup ces moments-là. Donc voilà, je suis arrivée, mes copines, je les vois, elles sont arrivées aussi, et je vous montre ça. On va faire ça. Oh. On va essayer de faire ça. Bobo. Et on baptise Mélodie. Ah bah, Virginie est partie. Des fringues, notamment de sport. Ah ouais, faut faire un haul tout à l'heure. Top Crocs, parce que je sais même pas, je crois que je vous l'ai même pas dit, mais j'ai pété mes, enfin, ma lanière de Crocs s'est pété enfin après plusieurs années. Et du coup, je peux plus la caler derrière la cheville et je déteste ça, avoir des Crocs que tu peux pas caler derrière la cheville.
Ouais, je vais aller voir ce qu'ils ont. Il y a les... Ah non, c'est The Night Before Christmas. C'est pas la famille Adams, du coup. Et bah, tiens, non, attendez, celle-là. Regarde si ma fille, elle voit ça. Eh, je lui ai montré, mais elle m'a pas dit qu'elle les voulait, alors je sais pas. Je pense que ça lui a un peu passé, quand même, les squish. Trop belle. Trop belle. Pizza Planet, Hello Kitty. Je sais pas ce que c'est, ça. Encore des Hello Kitty. Avengers. Oh, elles sont belles, celles-là. Et oui. De plus en... Oh là là, les cabas, ils sont trop beaux. Ouais, il y a toutes les couleurs. Hein. Ah oui, les jeans. Ça aurait été bien pour mon mariage, ça. Tiens, après, cette mariée en converse, mariée en... Elles sont pas mal, hein, cela dit. Oh là là. Oh, les Stitch. Ah ouais. Oh, les Yoda. Mais il y en a... Oh, regarde, Golden Gate. Warriors. Mais moi, tu vois, je suis pas fan de... Tu vois, genre, je suis pas fan de Yoda, je suis pas fan de... Toy Story. Oh, regarde, oui. Ah oui, effectivement, elles sont trop belles. Avec les hibiscus. Oh là, il y en a tellement. Oh, les foutres, regarde. Oh, celle-là. On me rappelle celle d'Asma. Regardez ça, les licornes. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Oh là là, celles-là elles sont belles, tu vois, j'aime bien ça. Comme c'est des pantoufles, tu vois, je trouve ça bien. Regarde, bouillie et tout. Trop fort. Trop fort. De McDo. Voilà, bref. Je pense que je vais partir sur le petit modèle là-bas, il était sympathique. Et là, il y a toute une série de pantoufles. Et moi, comme je les mets aussi en été, je vais éviter de prendre des fourrés, mais il y a tout plein de pantoufles. Regarde-moi ça. Trop fort. Là où t'es allée l'autre jour? C'est là où on va aller tout de suite. Allez. Hein? Ah, I'm certain. Choisis la couleur de ton fond, choisis tes accessoires et let's go. Ça va, c'est plus clair. Trop beau. La salade du mardi, un petit peu particulière. Faut chercher des légumes là. Faut chercher. Ouais, il y en a. Oh, ouais. Courgettes, champignons, carottes, tomates. Ça va? Quand on a encore plus que... On n'a pas les mêmes. Non. Ah, c'est carottes, maïs. T'as pas pris maïs? Non. Pas trop les comme ça. Et bon abona. Parce que qui dit outlet, tu dis mongol, forcément. Chez Converse. Attends, fais voir les moumoutes. Ah ouais, non mais ça c'est pour toi Virginie. Par contre ça fait très summer. Regardez-moi ça. Les Converse moumoutes, non mais c'est énorme. C'est trop fort. C'est enfant mais regarde, il faut que t'ailles plus, tu vois là, plus tu montes, c'est les soldes. Oh là là. Ah, il y en a tellement des originales. Hein. Ça coûte pas très cher, 34 balles. 34 balles la paire de Converse, 39. Celle-là, c'est vraiment pour toi. Hein. Ceci dit, celle-là, c'était en France. Ah oui, oui, mais moi, je prends toujours enfant ici. Hein. Ça suffit. Quand t'as des petits pitous. Oh, regardez ça. On fait que des chaussures aujourd'hui. Ça aussi, hein, regarde. C'est beau. Oh, regarde les pop-its. Les Converse pop-its. Oh là là, trop fort. Bon, sinon on a un peu craqué la cible, je vais faire un petit haul en rentrant. Mais ouais, j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin, quasiment. Bon, je sais pas. On devait pas venir ici. Qui a insisté? C'est moi. Que j'ai une résistance très nulle, c'est pour ça que je fais jamais les magasins. Non mais en fait elles sont roses et puis il y a un C bordel quoi. Ça c'est mes chaussures pratiques à enlever quand je vais faire le shopping. Elles ont une sale tête maintenant, je prends plus rien les pauvres. Ça c'est pas ma couleur ça normalement.
Et bah tu vois. Pose mes trucs de shopping. Je pose mon sac de Mongol. Enfin, de la bouffe du midi qui me reste. Il s'était pris la tête dans le sac. C'est vraiment l'expression, là. C'est pas la main dans le sac, c'est la tête dans le sac. Oui, ça sent bon. C'est pas pour toi. Donc c'est ça, les converses... les converses. Les crocs que j'ai. Et que ce truc s'est complètement pété. Ils sont toutes... voilà. J'avais envie de changer parce qu'elles ont vécu. Et surtout, j'ai plus de trucs derrière. Et moi, je le mets systématiquement. Bon, c'est peut-être bon, là. Dis donc, monsieur. Oui, bah oui, fais genre, je m'étirais, je passais par là. On va te croire, tiens. Il fait 35 degrés dehors. C'est n'importe quoi. J'ai pris la photo dans la voiture, il fait 35 degrés. Ouais, on a reçu les plats, faut que j'aille vite les mettre dans le frigo. C'est bon? T'as fini de tout inspecter? Je vais pouvoir faire mon petit haul. J'attends ma fille parce que comme il y a des trucs pour elle, et peut-être qu'elle aime bien faire les hauls avec moi. Je vais voir si elle veut faire avec moi. Sinon, je ferai tranquille toute seule. Je vais aller mettre ça au frigo avant que mon chien tombe dedans. Là? Oui. Attends, ce coussin-là, il est pas dans le... il est pas tourné comme il faut. Voilà. Alors, je suis arrivée en même temps que Lana est revenue du collège. On a fait synchro parfaite. Je lui ai dit, je vais faire un haul, ça t'intéresse? Elle a dit, ding dong. Il y a des trucs pour toi, hein, mais pas beaucoup. C'est surtout pour moi. Oui. Donc, la fameuse paire de Converse que je viens de me prendre. Prête? C'est rose. Comment tu sais? Je vois. Ah, ah, trop belle. T'as vu? Tu t'avais pas vu sur Instagram? Je sais pas. Non, je crois pas. Non. Donc, c'est des Converse. Il y a même la semelle qui est rose, s'il vous plaît. Et surtout, il y a un C, quoi. C'est de Converse, mais c'est de cesse, bien évidemment. T'as c'est vu, il est moumouté. Converse? Bah ouais, normalement, c'est le C de Converse. Le truc, il est moumouté. Bref, elles sont trop belles. Virginie qui m'a fait aller là-bas, elle m'a dit elles sont pour toi. Et puis moi, j'ai. Voilà. Je craque facilement. Bon, donc après, j'ai pris donc des crocs. T'as pris des crocs? Bah oui, pour remplacer celles-là qui sont toutes pétées. Devine quelle couleur j'ai pris? Rouge. Rouge? Je sais pas. Non. Vert, violet, bah, rose. Pas très compliqué, hein. Rose. C'est le rose Nishila! Ah, c'est un rose flashy surtout. Et j'ai pris les lettres, c'est comme les bracelets là. Ok, il y a écrit 16 dessus. Donc tu me les voles pas en fait, il y a écrit 16 dessus. Elles sont toutes simples, c'est les toutes simples, juste roses. Et regarde, par contre, je t'ai pris ça. Qu'est-ce que c'est? T'es bien là? Ça va là, un petit roi? Mais j'ai plus de crocs maintenant. Ah bon? Bah si, t'as les McDo. Tu vois, j'ai tous ces charmes là-bas, je sais pas quoi faire avec. Ah, bah tu, bah je sais pas, pire tu peux les mettre en déco. C'est la même chose que ça, mais en lana. C'est 4 lettres lana. Ensuite, j'ai trouvé chez Hollister, en fait Virginie a vu et j'ai pris le même, on a pris le même. Et Hollister, c'est avec c'est ça. C'est super cher là. Oui, enfin là c'était l'outlet, donc ça, ouais non, si c'était un peu cher. Combien? C'est 50 balles. Non, c'est pas. C'était quel magasin là qu'on est allé? Genre, il y avait un pull comme ça, c'était 300 dollars. Ah, Ralph Lauren. Ouais, ouais. Oui, et ben ça fait très Ralph Lauren, mais c'est pas Ralph Lauren. Touche. Non, non, touche pas. Touche pas. Non, j'aime pas ça. T'aimes pas? Eh ben très bien. Et donc, avec Virginie, on a acheté le même. Il est trop beau, il est trop doux. Et on a fait du coup bah, notre petite séance photo avec. Ah oui, attends. Regarde. Je suis retournée au dessus de ce matin. C'était sûr. Et donc on a acheté le même fil. T'as vu? Et trop beau. Ensuite, bon, je suis allée chez Victoria's Secret. Je me suis racheté des soutifs et des culottes. Je vais pas vous montrer. Non, attends, je vais voir le sac. Si tu veux le sac, tu peux le prendre. Parce que, autant vous dire que, bon, je sais pas si vous voyez peut-être pas, mais j'ai toujours. Je tourne avec deux soutifs qui sont dans un état catastrophique. Je mets, bah j'en avais que deux à ma taille et ils étaient plus à ma taille d'ailleurs. Bref, une catastrophe. Oh, t'en as pris un or. Mais ils sont couleur chair en fait. Oui, bon, ça va, on va pas montrer mes soutifs et mes culottes, mais voilà, je suis contente parce que c'est chiant de ne pas avoir de soutien-gorge en bon état et à sa taille. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai pris chez. Ah oui, ah, attendez, chez H&M, il y avait toute une collection en français, mais alors quasiment.
95% des articles avaient des fautes d'orthographe. Oh ah ouais, non mais... Oh Steve, il serait pas content. Ah ouais, embauchez-moi les gars. Embauchez-moi s'il vous plaît, parce que je vous mets les photos là, de tout ce que j'ai vu. T'as pris le seul qui... J'ai pris le seul qui était bien éplé. Parce que franchement, c'est un scandale, quoi. Les fautes, il y en a un, il y a deux mots, il y a les fautes aux deux mots, quoi. Enfin bref, du coup, j'ai quand même craqué. Je crois que c'est Fanny qui partageait sur Insta, sur celui-là. Et bonne nuit avec un E. Non, mais c'était... Ah oui, ouais, non. C'est... Merci beaucoup. Voilà, il est brodé, il est super beau, regarde. Ah, il écrit quoi? Merci beaucoup. Ah, ben je suis surprise qu'ils ont ici, là. Ils ont écrit, oui, ben j'aurais pas pris un. Non, mais il y avait un code d'azur. Alors, code d'azur, je sais pas si tu sais, mais il y a un accent chapeau sur le O. Et ben là, ils l'ont mis sur le E, côté, code A, code... Je te montrerai les photos, c'était hilarant. Côté d'azur. J'ai repris un t-shirt noir chez Express, ce que je porte tout le temps, mais c'est pas exactement la même matière. Non, c'est pas Panda Express, c'est juste Express. J'adore ce... Enfin, j'ai jamais trop acheté d'autres choses, mais ces t-shirts là, j'en suis... En fait, j'achète que du noir ou du foncé, c'est dingue. C'est pas top. Il est beau parce que le mercredi il faut qu'elle vienne en. J'allais te dire un message si t'as un Nike, tu peux me reprendre un short. Et je pense que c'est la bonne taille. Hein. Je crois que c'est la même taille. Et en fait, le mercredi elle s'habille en rose pour le cheer. Et du coup, je me suis dit que c'était bien. Il te plaît? Mm-hmm, il est chouette, hein? Il est beau. Et attends, il y a autre chose. Il est trop beau. Il est pas trop magnifique. Et regarde combien il m'a coûté, s'il te plaît. 13 balles. Au lieu de 30. Eh ben oui, hein. Ah, mais regardez le motif. Je l'avais jamais vu. Il est pas trop beau. Dans il te plaît? Il est magnifique. Donc je me suis pris pour moi. Parce qu'en fait, j'ai mon semi dans le 3 novembre, là. Et c'est pareil. En fait, j'ai un problème de frottement. De vêtements ou de taille aussi. Donc bref, je me suis repris un pantalon à ma taille parce que tous mes pantalons, c'est les pantalons que j'avais reçus. Mais de... comment tu cours avec un pantalon? Ah ben parce qu'à SF, là actuellement, là il fait 35 degrés, c'est sûr que j'irai pas courir avec ça. Mais le semi, il va à 6h du matin à San Francisco en novembre, je t'explique. Tu as envie de courir avec un pantalon? Non, bah ça non, parce que c'est une deuxième peau, tu le sens pas en fait. Il est trop beau, regardez les différentes couleurs qu'il y a. Et au moins il est à ma taille, j'ai pris du L, il est un tout petit peu grand, mais franchement je peux plus, les pantalons 4 fois trop serrés que j'avais reçus de Ocean's Apart et tout, ils sont magnifiques, mais clairement je rentre plus dedans, donc je peux plus courir avec, ça me fait mal en fait, ça frotte trop, ça me fait des blessures. J'ai pris des shorts aussi comme ça, parce que c'est pareil en fait, je cours avec le short que j'avais acheté pour le Grand Canyon, et en fait comme c'est un truc qui vole, enfin c'est un truc pas moulant, il remonte. Et du coup, il se vient se bloquer entre mes cuisses et avec le frottement, ça me fait des blessures entre les cuisses en fait. Donc voilà, là c'est pareil, il y a une poche derrière, mais je ne vais pas forcément en avoir besoin à part pour mes clés de voiture. Donc enfin, un short moulant qui va m'éviter les frottements. Et j'ai craqué sur ce dernier là, qui est très particulier, qui n'est pas très beau porté, mais qui est très confortable, qui est très léger. Et en fait, c'est un espèce de short ample et avec en dessous un short legging quoi. Voilà. Voilà, et je suis dingue, je voulais une veste de sport de couleur pour que Nico me reconnaisse à l'arrivée du semi, mais il n'y avait pas. Et j'ai pris, ah ben c'est mon dernier, ah non, j'ai encore des trucs. Et j'ai pris une brassière, pareil, un peu plus grande parce que l'autre, elle était vraiment trop serrée. Ouais, elle est super chouette. Et au moins, elle ne sert pas, quoi. Bah non, tu sais, je cours, je transpire, je la lave, je salis pas, quoi. Je transpire, oui, mais ça ne fait pas des taches, quoi. Enfin bref. Et le dernier magasin, c'est Forever 21. Oh là là. Il y avait des jeans magnifique. À 7 dollars. Oh 7 dollars. Okay. Ah, il y avait celui-là. 7 dollars. J'étais dégoûtée parce que moi je n'ai pas payé 7 dollars. Et il y avait un truc, ferme les yeux. Tu fermes les yeux. Hein. Tu fermes les yeux pour de vrai là. Uh-huh. Là, tu fermes les yeux pour de vrai de chez vrai. Hein. Vas-y, ouvre. Ça fait pas 100 ans que tu me demandes un t-shirt de Britney. Et ben j'en ai trouvé un. C'est combien? Je sais pas, ça coûte pas très cher. Là, j'entends. Il est à 25. Bah c'est du S. Hein. Il est pas trop beau.
C'est normal que maintenant les t-shirts S c'est plus grand. Ouais, bah je sais pas trop comment c'est pour. Bon bref, dans mes jeans à 7 balles, j'ai trouvé celui-là qui a une coupe d'enfer. Très pas de dev, très 90, très années 90. Et il a un petit motif comme ça là. Il est tellement confortable, il est tellement souple, il est un... Non mais 7$ quoi. Voilà, il est comme ça. Je l'adore. T'as vu comme il est doux? Il est bien, hein? Non, il n'y avait pas pour les enfants. De toute façon, j'aurais pas acheté sans toi. Hein. Clairement. Et donc, c'est la dernière chose. Hein. Après, je vous ai tout montré. C'est pas mal, hein, quand même. Moi, c'est maintenant. C'est celui-ci. Je crois que c'est toi qui en a un qui ressemble à ça. Ouais. Voilà. Comme ça. Blanc avec des petits motifs bleus comme ça. Qui était super beau. Et voilà, tous les trucs qui avaient l'étiquette jaune, c'était 7 balles. Donc là, au lieu de 40 balles, il était à 7 balles. Et oui, c'est ça. Et le t-shirt m'a coûté 25 balles. Et ça m'a fait rire parce que le t-shirt, il m'a coûté 25 balles de Britney. Et les deux jeans, 7. Oh, 7, hein, je mens pas. 7. 7 balles. T'aurais dû en prendre plus, maman. Ouais, bah c'est bon, j'en ai des jeans. En vrai, j'avais pas besoin de jeans, mais à ce prix-là, j'ai pas hésité. Bref, voilà pour mes petits achats. Je suis trop contente pour mes Converse. Je suis trop contente pour mes soutifs et mes tenues de sport pour m'aller. Tu peux voir tes crocs? Hein? Tu peux voir tes crocs? Merde. Creux. Dis. Bon, alors nous sommes mercredi. Oui, j'ai changé le fond de ma montre parce qu'en fait, c'était très beau notre photo, mais je voyais rien. Le contraste était pourri, je voyais rien. J'ai téléchargé celui-là qui est nouveau, qui est très bien. Nous sommes mercredi, je suis allée courir ce matin. J'ai essayé du coup ma nouvelle brassière et mon nouveau cycliste là. Trop bien, une fusée. J'ai fait 5,36 au kilomètre, ce qui m'est pas arrivé, je pense, depuis quasiment toujours. Un truc de malade. Ça glissait trop bien, j'ai pas eu de bobo, pas de frottement. Je revis vraiment entre les nouvelles chaussures et surtout le niveau cycliste là, l'espèce de short. Regardez, j'ai tout mis de nouveau. J'ai mis merci beaucoup. Le jean à 7 balles, je me remets toujours pas. De Forever 21 et mes nouvelles Converse trop belles. Et ça, c'est les ballons de la vidéo de nos 10 ans que j'avais libérés et qui descendent petit à petit. Je voulais à la base m'en servir pour notre fête à la plage de samedi. Mais voilà, bon, je suis allée les descendre hier avec la clim, ils se baladaient. C'était assez flippant. Bref, je vous fais un autre. Donc, bref, je suis très contente de ma nouvelle brassière et de mon nouveau cycliste de sport. Vraiment, ça me change la vie. Je vous fais un petit retour de course de Trader Joe. Je vais pas en faire à chaque fois, mais ça vous a bien plu la dernière fois. Et là, j'ai pas repris exactement les mêmes choses. Donc, je vais vous montrer. Alors, déjà, ça, c'est notre gros coup de cœur. Il y a quelqu'un qui l'a mangé dans le magasin. C'est vraiment abusé. Non, j'ai pas mangé dans le magasin. J'ai mangé pour en vendre que pour le McDo. C'est de la fougasse aux olives. C'est bon. Alors, nous, on est du sud. On est de Grasse. Les olives, mes beaux-parents ont 70 oliviers dans leur propriété. C'est notre kiff. Les olives. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas les olives. Je sais pas comment vous faites parce que vraiment, c'est comme le chocolat. Pour moi, c'est pas possible de pas aimer. En tout cas, ce pain, c'est absolument une tuerie monumentale. J'ai pris ça parce que ça, c'est le pain préféré de Nico. C'est le pain Pauline. Voilà, c'est un peu un truc artisan. Comment on appelle ça? Rustique, authentique. Bon, bref, je sais plus comment on appelle ça en France, mais bon, du pain comme ça qu'il adore. Ça, c'est les jus. En fait, je vous ai pris. En fait, je me suis pris pour midi. Au lieu de me prendre mon double cheese et mes frites, j'ai pris deux Happy Meal. Ça fait deux fois que je fais ça. Comme ça, je vous garde le jouet. La collab là, avec Crocs, je vous garde le jouet et je l'ouvre même pas. Alors après, en fonction du design de la boîte du jouet, vous savez quelle chaussure c'est. Regardez la taille des frites dans la Happy Meal ici, comme elles sont ridicules, elles sont minuscules. C'est pour ça que du coup, moi, deux Happy Meal, ça me fait un repas. Il y en a un avec 4 nuggets et il y en a un avec un cheese. Donc voilà, je fais ça, comme ça, je vous garde les cadeaux. Et je pense que quand ce vlog sortira, deux secondes après, sur mon Insta, je vous sortirai le concours. Il restera en ligne une bonne semaine. Et même si vous êtes en retard, il sera certainement là. Mais voilà, en fonction de la boîte, vous savez lequel c'est. Ça, sur Internet, vous trouvez l'info en deux secondes. Donc bref, c'est pour ça qu'il y a des petits jus. Moi, je les aime pas du tout, ces jus, je les trouve dégueulasses. Mais Lana les adore. Donc écoutez, elle les mange, elle. Je me suis pris deux petits pains au chocolat, notamment pour mon goûter d'aujourd'hui et certainement de dimanche post-running. Voilà. J'ai pris ça. Alors, je vais vous montrer une photo de l'entrée du magasin. Je vous la mets là. En fait, comme c'est l'automne, Trader Joe sort énormément de produits identiques, mais juste avec des arômes de citrouille en plus. Genre de la brioche à la citrouille. Enfin, à peu près tout à la citrouille. Vous avez tout à la citrouille. Alors, moi, je suis pas très fan. En fait, je dis ça, mais j'ai pas vraiment goûté, mais ça me dit rien du tout. Par contre, j'ai trouvé ces petites tweets pour Oreo. Attendez, on va essayer tout de suite. Ça a l'air de lui plaire, hein.
Tu veux un treat? Tu veux un petit treat? T'as dit? Attends, maman, elle est... C'est à la citrouille. Tu penses que tu vas aimer? Attends. La première fois que je te prends des treats chez Trader, je vais au dire, mon chéri. Attends. Ça va m'ouvrir. Ça ressemble à... Ça, au moins, il risque pas de me faire une occlusion avec. Voilà, c'est plus safe. Ben, il est déjà assis. C'est bien, suffit. On fait pas bouger. Pas bouger. T'es bon. Ma foi, c'est l'heure de lui plaire. Donc voilà, j'ai pris ça pour mon riz. J'ai pris des bananes parce que ma fille m'en a demandé. J'ai pris des tomates cerises parce qu'on adore ça et qu'on n'en avait plus. J'ai pris des pêches comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Ils appellent ça des Saturnes pêches ici. Que Lana adore. Par contre, ouais, l'emballage en plastique, on est d'accord que c'est vraiment caca. Mais il y avait que rang comme ça. Et Lana, elle adore ça. Donc j'ai pris. J'ai pris des fraises. Vous savez, mon amour pour les fraises. J'ai repris ces compotes pommes bananes que je vous ai montré la dernière fois, qu'en fait qui sont excellentes et que Lana adore aussi. Donc voilà, pour nous deux. Et je lui ai repris surtout ça. Voilà, elle en avait plus et elle en voulait. J'en ai eu pour 54$ tout ça. Voilà, donc deux fois les yaourts et ça, c'est mes apéros préférés. Je vous ai déjà montré aussi. Et voilà, après, j'allais mettre vite ça au frigo. Je vais aller manger pendant que c'est chaud. Mon mari est censé être là, mais il est encore. C'était bon ? Je sais même pas si tu l'as mangé. Oui, bah tu te lèches les babines, ça, je suppose que tu as mangé ça. T'étais bon ? C'est tout, hein, par contre, hein, c'est que un. Et oui, regardez, en fait, j'ai changé sa bouffe à Oreo. Il est plus sous croquette, il est sous Farmer's Dog. Je vous montrerai, je vous ferai une séquence dessus. Et en fait, c'est le truc qui est la proportion est adaptée à sa taille, à son activité et tout. Il a retrouvé un poids et une silhouette parfaite. Parce qu'il était un peu fat, hein, la veto m'avait dit. Et bon, c'est vrai qu'il était un peu grassouillé. Et là, maintenant, il est parfait grâce à ce truc-là. Et il adore. Parce qu'en fait, les croquettes, j'ai changé parce qu'il les mangeait plus. Il en avait marre de ses croquettes. Donc du coup, je suis passée à ce truc-là où j'avais la pub tout le temps sur Insta. Et j'adore, c'est ça en fait. Attendez, je vais vous montrer. C'est ça en fait, c'est de la bouffe faite maison. Alors c'est absolument pas un partenariat. J'aurais bien aimé parce que vraiment c'est pas donné. C'est le gros point négatif de ce truc là. C'est ce qui m'a fait attendre avant de passer à ça. Le truc c'est que ça, moi Oreo, comme il est petit, il faut qu'il mange un quart par jour. Donc le matin, en fait je me fais des lignes là je peux pas montrer parce que je suis à la fin de mon sachet. Mais attendez, ça va pas être très joli par contre. Mais je vous montre. En fait, il te donne cette espèce de topower avec. Et moi, voilà, avec mon Sharpie, je me fais mes traits comme ça. Et comme ça, voilà, ce soir, j'ai plus qu'à lui donner ça. Et voilà. Et du coup, il adore, mais il adore tellement. Il revit de manger ça et c'est beaucoup plus sain que des croquettes industrielles. Par contre, voilà, c'est un budget. Mais comme il est petit, ça va. Il y a des chiens, genre tu dois leur donner ça par jour. Là, le budget, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Donc bref, allez, je vais manger. Bon, vous excuserez, j'ai des très beaux cheveux parce que je les ai lavés aujourd'hui, du coup, suite au sport. Par contre, vous m'excuserez le manque de maquillage. Le mercredi, le dimanche non plus d'ailleurs, je me maquille généralement pas. Vu que je me lave le matin, je me relave pas le soir. Bref, vous savez pas ce qui vient de se passer. Il est 21h36, on revient du chia. Tu veux pas dire avec moi? Je sais pas. Vient de se... Ouh! De se passer un truc de ouf. Bon, jeudi, c'est trop long. Elles ont... Alors, il y a deux termes que je dois vous expliquer. Normalement, je vous les ai déjà expliqués, mais je vous les réexplique pour les nouveaux. Le terme de full out... Au cheer, c'est quand les filles font la choré en entier. Du début à la fin, tout le tumbling. En fait, il y a le full out, il y a le tumbling out. Ça se dit tumbling? Jumble out, parce que c'est tumbling et jumps. Ah, donc le quoi? Jumble. Jumble out, c'est quand elles font, donc elles marquent. C'est-à-dire qu'elles font semblant qu'elles font les jetés et tout, mais elles restent au sol, elles marchent. Et par contre, elles font le tumbling, donc les acrobaties, tout ce qui est roues et tout ça, acrobaties au sol et les sauts, jumps. Et il y a les stunt out. Les stunt out, c'est quand, au contraire, tu fais que les portées, que les trucs où les flyers sont portés.
stand out. Et du coup, les jumps et les, le tumbling, tu mimes, mais tu ne le fais pas pour de vrai. Et il y a les full out. Et les full out, c'est quand tu fais tout. Comme si tu étais sur scène à une compète. Tu fais tout, tout, tout. Les sauts, le tumbling, les portées, tout. Comme si tu étais sur scène. Ça s'appelle une full out. Donc ce soir, Lana, ils ont fait leur première full out. Donc pour la première fois de la saison, nous sommes le 25 septembre, c'est quand même méga tôt, voilà. Elles ont fait leur full out, ce qui veut dire qu'elles ont leur choré, tout ça. Elles n'ont pas encore la musique, mais elles ont la choré qu'elles viennent d'exécuter ce soir, qui va certainement évoluer d'ici la première compétition qui est mi-décembre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement elles ont fait leur première full out, mais elles ont... IT0. Et IT0, ça veut dire, ça je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, mais c'est, voilà, pour les petits nouveaux, c'est quand elles font zéro déduction, c'est-à-dire qu'elles ne font zéro erreur, qu'elles n'ont pas de points. Si elles avaient été évaluées à une compétition, elles n'auraient pas eu de points de déduction parce qu'il y en a une qui est tombée, parce qu'il y en a une qui a fait un peu comme ça en haut, parce qu'il y en a une qui a touché le sol alors qu'elle ne devait pas toucher le sol. Qu'est-ce qui peut se passer, qu'elle se rentre dedans, qu'il y en a une, voilà, qui tombe à la fin de son tumbling, qui atterrit sur les genoux. Enfin, il y a plein d'occasions de déduction. Et en fait, là, non seulement elles ont fait parfaitement, mais en plus, c'était la première fois qu'elles faisaient toute la choré en entier. Et c'est juste incroyable. Et je suis trop contente d'avoir pu voir ça de mes propres yeux. J'étais au bord des larmes, mais vraiment. Et comme je suis nouvelle, ça, c'est le groupe du tir. Comme je suis nouvelle, je me la joue discrète. Déjà, je suis, je vous dis, la seule maman qui regarde, donc je me fais discrète jusqu'à ce qu'on dise qu'un jour j'ai plus le droit, donc je me tais. Mais c'était très dur pour moi de me taire parce que j'étais. Mais j'avais les larmes qui montaient et ils me connaissent pas encore, donc j'essaie de pas leur faire peur, mais c'était très émouvant pour moi. C'était très, 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 très beau à regarder. La choré, elle est incroyable. Et j'ai absolument pas filmé au quoi parce que je pense que j'ai pas le droit. Donc je les laisse faire. Et là, je pense qu'ils viennent de poster la vidéo sur le groupe. C'est ça qui vient de sonner. C'était incroyable. T'es fière? T'es en train de faire quoi là? Liste d'anniversaire. Elle est en train de faire sa liste d'anniversaire. Elle est sur Amazon et elle ajoute sur sa wishlist des produits de beauté. Je sais même pas ce que c'est. C'est quoi? C'est des trucs super bien, hein, t'inquiète. C'est quoi la marque? Glow Recipe. Ok, là par contre, en fait, il est 21h40, tu es à école demain et t'es censée te laver et aller te coucher, ma fille. Plutôt que de faire ta wishlist d'anniversaire. Bref, trop d'émotions, je vais pas m'en remettre. Je vais trop bien me coucher là. Et Nico, il est au cinéma avec ses potes. Il est allé voir Wolverine, quoi? Wolverine, Deadpool. Voilà. Deadpool. Ouais, je suis contente qu'il fasse avec ses copains parce que c'est pas moi qui irai voir ça. Parce que c'est votre style, dites-moi si c'est votre style ce genre de film. Alors moi pas du tout. Je vous laisse parce que j'aime vraiment pas ma tête là, entre la lumière et j'aime pas. Bisous, à demain. T'es fière? Vous avez bien bossé, c'était pas facile mais vous avez bien bossé. 5, 6, 7, 8, jeudi. Bon, jeudi 26, 7h37 du matin, je m'apprête à faire normalement pour la dernière fois la vaisselle à la main. On est censé recevoir le lave-vaisselle aujourd'hui. Bon, je le fais parce que là, c'est pas possible. Et j'ai Albert qui me tient compagnie. Voilà. Il se balade dans la maison depuis hier soir. Tu l'appelles comment? Bah, Albert, je sais pas. Il est peut-être à s'appeler Albert. Non? Sympa? Voilà, il se balade, il vient nous coller. J'ai fait des pâtes étoiles parce que Lana, elle aimait pas le menu de la cantine ce matin. Ce que je prépare, j'ai fini d'ailleurs. J'ai fait mes deux impressions de 15, donc j'ai fait en 2-16, j'ai terminé. Ça rend trop bien. Bref, je finis de ranger ma vaisselle et j'attaque la vaisselle. Formidable programme. C'est la vaisselle qui a été faite à la main avec amour ce matin, pas avec un. Oui. C'est français? Oui. Mm-hmm. Et on vient d'avoir. C'est la première fois qu'on a un lave-vaisselle tout neuf de notre vie. Il est bien! Putain, il brille, oh. Brille. Ça, c'est la même chose à peu près, hein, je crois. Mais c'est quoi la différence? Qu'est-ce que t'as dit? Ah oui, c'est mieux agencé. C'est que des pics. Qu'avant, il y avait un compartiment pic serré, pic machin. Voilà, c'était c'est la merde. Ouais, c'était pas aussi bien. Ah, attends, moi, oula, oula, je m'attendais pas à ce qu'il coulisse aussi bien. Oh, regarde comment il brille, oh. Bah si, c'est beau. Putain, Virginie, c'est beau. Les critères d'achat... C'est... Mais non, mais il est pas plein de calcaire, quoi. Il est plein de partout, ça, avec les barres. Il est excité avec les messieurs, lui. Dès qu'il y a des gens à la maison, il est fou.
Le monsieur lui a bien rendu en même temps. Bref, allez, on va pouvoir manger. Hein. Mais t'avais fait une vaisselle. Ben oui, j'ai fait la vaisselle ce matin. Tu aurais bien scouté. On a pas eu la salade du mardi, mais on a le poki du jeudi, avec plein de poésie autour. Et Nicole, ce qu'il mange, c'est trop mignon. C'est des espèces de... Comment t'appelles ça? Des rolls gigantesques. Des hand rolls. En fait, il y a les algues qui sont dans un sachet. Et après, il se fait sa popote. Voilà. Bref, bon abonna. Il y a plus de petits sachets? Je vais prendre la sauce soja. Un problème. Allez, petite démo. Il y a le backstage derrière. Il y a le backstage du backstage. Voilà. Vas-y. Donc là, il y a les... au sec. Gardez au sec ici. On roule le petit roll. La piste d'atterrissage. Touk, 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 touk. Et ça fait du chocapic. Mmh. Et là, il est content. Parce qu'il adore ça. Ben, c'est pas mauvais. Et ça se mange en 2 secondes. Oui, oui, vendredi, baguette et croissant. Oui, oui. Vendredi, aujourd'hui, c'est encore une journée à thème au collège. Et c'est Néon Day fluo, quoi. Oula, attends, t'es en plein dans la... Alors, nous avons les crocs. Les chaussettes. Les chaussettes Buddy. Elle est avec Buddy aujourd'hui. Ah, la jupe. La chute, de cheer. Cheer. On a acheté une compétition. Mon t-shirt, on toi. Tu m'as laissé mettre. Que quoi? Que tu m'as laissé mettre. Bien sûr. Tonton, attends qu'on voit derrière. Ce t-shirt du Club Med qu'elle veut pas que je repasse. Ça me perturbe qu'elle aille en chiffon à l'école. Mais non, c'est quand on est allé au Club Med toutes les deux, ma chérie, t'as le même. Mais il te va plus depuis très longtemps, mais tu as le même. Je te rappelle, on avait acheté le même. Ah. Des scrunchies au coude, pourquoi pas, et tout. Ah oui, chouchou. Un chouchou au bout du doigt. Comme ça, j'ai mis un peu de eyeshadow. Là, oui, là. Attends, je suis pas sûre. Non, attends, l'autre côté plutôt. Parce que. Attends, avance-toi parce que t'es trop dans le soleil, c'est compliqué. Trop de soleil. Ouais. Voilà, là c'est très bien. Ouais, voilà, là on voit. Et les petites boucles d'oreilles. Les petites d'oreilles et les lunettes. Les lunettes. C'est bon, t'es prête pour aller au collège? Ouais, il fait un peu froid par contre. Vous allez voir Mademoiselle Lettrie. Ben là, il y a un criquet. Oh, tu préfères même les myrtilles au criquet sec? Ouais, tu t'es trompé, t'as pris une carotte. J'ai bien vu que t'essayais de prendre surtout une myrtille. Voilà. C'est l'addiction aux myrtilles en ce moment. Mais par contre, que tu préfères ça au criquet sec, je suis très étonnée. Lilou. Et Maj? T'es long. T'es long. Tu me réponds? Voilà. Ah, tu t'es trompé. Voilà, voilà. Elle va manger toutes les myrtilles en premier. Il faut pas être pressé. Hein. Oui. C'est pourquoi? Voilà. Merci. Allez, ma Lilou, c'est bon, regardez-moi ça, là, cette belle plante. Bon, ça commence à devenir galère. Je pense que quand elle va se réveiller au printemps, c'est crunchy, hein. Ouh là là, que c'est crunchy. Quand elle va se réveiller au printemps, que j'aurais pas ouvert la cage depuis 6 mois, là, ça va être quelque chose, je sens. Voilà, c'était le moment zen offert par Lilan ici, là. J'espère que ça vous a plu. Bisous.
avant de mettre mes médailles, d'attacher mes médailles au mur, voilà, pour me donner la foi. Ça va m'embêter parce que là, vous voyez, il y en a quoi? Ah non, il y en a 7. Ah bah remarque, ça fera 8, ça fera 4 de chaque. 4 de chaque côté, voilà. Et je les ai rangés dans l'ordre chronologique. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Bon, ça c'est pas en semi, mais voilà. Le 1, 2, 3, 4, 5e l'année dernière. Et le petit 10K que j'ai fait avec Mélodie. Par contre, j'étais dessus, j'ai pas vu, mais je les ai super mal mis, mes dossards en fait. Ils sont pas du tout bien espacés. Mais bon, voilà, c'est très bien fait. Enfin, c'est pas très bien fait, mais c'est fait. Et je suis bien contente. J'ai mon petit coin running ici. Alors, c'est pour ça notamment que vous avez toujours pas eu le house tour, parce que voilà, c'est le genre de petit truc qu'on a toujours pas fait. Chaque semaine je me dis la semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine, et chaque semaine c'est pas du tout prêt. Je veux pas vous faire un house tour tant qu'il n'y a pas tout qui est prêt. Il y aura jamais tout qui est vraiment 100% prêt, parce que voilà. Mais là, la chambre de Lana actuellement, vous pouvez pas mettre un pied devant l'autre, donc c'est même pas envisageable. Donc ouais, je sais, vous êtes très nombreux à m'écrire des messages pour la house tour. Je vous jure qu'il sortira un jour, mais quand, je sais pas, j'ai des gros doutes. Il fait 34 degrés, il est 3h. Et j'ai envie de voir que la semaine prochaine, il va faire 38, 36 encore. Mais qu'est-ce que c'est ça? La semaine prochaine, il va faire 38 degrés. Ouais. Non, mais il faut que ça s'arrête, là. Alors, c'est génial, hein, le soleil et tout, mais... Enfin, comment vous voulez qu'on se mette dans le mood de l'automne avec des températures pareilles? C'est hallucinant. On prend un petit boba et on va manger avec les copines. Et Lana, voilà, elle est tombée dans le rangement des squish. Oui, oui, bah je sais. Premier clac clac. 1, 2, 3. Et wow. C'était un très très beau clac clac. On est chez Target. La mère voulait voir pour des t-shirts marron pour son acting. Regardez, je lui dis je vais lui prendre ça. Enfant préféré. Et en fait, ils ont sorti toute une collection pour les maîtresses et maîtres de chiens et chats. Oh là là, c'est trop beau. Hein. Go Fletch. Il y a des. Ah, c'est des trucs pour mettre les Apple, Apple Tag là. AirTag. Bon, vous avez compris. Ah, c'est trop fort. Ah, s'il y avait un haut bleu. Non, non, il est violet le haut. C'est trop fort. Il y a plein de trucs. Oh là là, les petites puzzles et tout. C'est trop mignon. Hein. T'as vu, ils sont là, les Favorite Child. Tu veux pas prendre ça? Oh, c'est cute. Ça, c'est incroyable, ça. Ça, c'est incroyable. Ah oui. Tu sais, j'ai bien les Coréo, d'ailleurs. C'est chiant. Regarde, c'est vrai qu'il est chouette, ce truc. Enfin, bref, voilà. Ah, des Stanley. Des Stanley. Et regardez, ça, c'est pour moi, qui passe ma vie à faire des tours de quartier. Regarde, Lana. C'est avec quoi? Ah oui, à moi. Ah bah tiens, ça, c'est pour moi. Bon, bref, ça nous avance pas sur tes... Ton t-shirt c'est marron. Bah, tiens, aussi, il pousse ici. Hein. Il pousse. Ah, là, il n'y a pas. Tiens, les courses, notamment pour demain, là. Pour la fête, ouais, avec les copains. Et je vous montre le rayon temporaire. Je vous avais montré la version 4 juillet. Et là, c'est la version Halloween. Avec des squish d'Halloween. Ah, il tient pas. Oh, regarde celui-là. C'est celui qu'on avait vu la dernière fois. Hop. On va faire la déco. Voilà. Il tient pas celui-là. Celui-là il veut pas tenir. Non. C'est quoi ce truc? C'est genre un chaudron. Ouais, en fait en vrai j'ai cru que c'était un cerveau. Non, non, je pense que c'est un chaudron. Voilà, il y a plein de petites guirlandes. Des petites décos. Une petite mercredi. Qui fait du chien apparemment. Voilà, ah, un petit reste d'été là. Un peu quand il fait encore un truc, je vais te là-bas. Bref, allez, on va rentrer. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est les pattes pour creuser les citrouilles. Dedans, il y a des formes. Des. Voilà. Des papiers que tu colles pour faire la forme que tu veux sur ta citrouille. Je sais pas si elle est tombée. Qu'est-ce que tu fais? Et Lana s'est mis un sac, faut pas chercher, c'est une artiste. Là, ils vont croire qu'on le vole par contre.
Ah, tu vas arrêter le tir, tu vas faire du volet. Non. Ah oui, je sais. Maman, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait penser. Ah, c'est un name. Maman. Un coup de name card. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas compris ce que c'était. Si tu branches dedans pour faire de la lumière, okay, c'est comme un light ray. D'accord. Oula. Ouais, marrant ça. Bon bref, allez, ça ne fait pas avancer dans notre journée. Toute mon enfance. Bah, parce que c'est toute mon enfance, les pèses. C'est les pèses spéciales Halloween. Oui, avec Halloween, tu sais, le bonbon, la pastèque. Oh, sorry. Tu sais les bonbons pastèques. Hey, c'est samedi. On est samedi. Il est 9h30 et je fais deux gâteaux. Parce qu'aujourd'hui, on va avec tous les copains à la plage pour fêter l'anniversaire de Nico qui est lundi et nos 10 ans d'expat. Voilà. Je vous prépare mes deux gâteaux au chocolat qui sont toujours les mêmes de cette recette de marmiton. Lana fera la déco après. Et voilà, je suis en train de préparer. Je vais mettre ça à cuire et ce sera chouette. J'ai bien fait de mettre de la farine, c'est la première fois que je les démoule aussi bien. Et Lana est à la déco. Voilà, elle est responsable de la déco, on peut la laisser gérer. Trust the process, là, il faut trust the process. Mais je te trust, hein, je trust in you, ma chérie. Je suis la première qui trust in you. S'il y a quelqu'un qui trust in you, c'est bien moi. Bon, c'est pas mal comme idée ça. Bon bref, je la laisse faire, je vais finir de préparer les affaires. Je sais pas comment on va faire pour porter tout ce qu'on doit prendre à la plage. Je pense qu'on va prendre Vanity Toe, parce qu'on va pas y arriver sinon. Ah, le petit chariot. Ça fond, ça va. Ah bah oui, c'est brûlant là, il est brûlant le gâteau. Il sort littéralement du four. Vanitito qui est blindax. On prend la table aussi. J'ai pris mon truc USA, j'avais fait pour la... après la naturalisation. C'est plein d'actes, les trucs de déco, les assiettes et tout ça. Bref, ça c'est prêt. Nico finit sa douche. Et j'ai fait tomber mon téléphone, tout va bien. Et voici nos chefs-d'œuvre. Oui, alors vous ne nous suivez pas pour nos talents de pâtisserie et de Nico déco. Tranquille. Ouais, j'espère qu'ils avaient vu. Non, je suis pas sûre. Non, ok. Et ça, c'est Lana qui l'a fait. Voilà, je sais absolument pas comment on va transporter ça parce que je n'ai évidemment pas de boîte à gâteaux. Ça va être un carnage, donc je vous montre avant qu'ils soient. Je suis même pas sûre qu'ils arrivent vivants à la plage. Bref, le chien est équipé. Je lui ai mis son ancien harnais parce que l'autre n'a pas envie de le tuer à la plage avec le sel et le sable et tout ça. Et bref, on attend que Nico se prépare comme d'habitude. C'est toujours celui qu'on attend. Et on va se mettre en route. Il faut que je fasse la glacière avec les Martinellis. Et ce sera bon. On est tous avec notre chariot. Bah, moi, j'avais beaucoup de trucs quand même. Pas nous, regarde, ça va. Non, ça va. Il n'y a pas nécessairement une transaction commerciale. Et au pigugu, il y aurait au gugu, il y aura Maddy Gugu. Regardez ce qu'ils ont réussi à faire grâce à nous.
On va faire semblant, hein. Semblant, c'est ça. Ah, désolé, on a fait trop. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Nico. C'est normal, ça. Ça c'est normal. Mais je te souhaite bon anniversaire. C'est trop beau! On est de l'amour, attends. On a plus de place, on a plus de non, place. Non, on a beaucoup de murs à meubler. Ah, oh, surtout. Ah, oh. Oh, c'est trop beau! Non, mais il y a écrit ici là. Ah, je connaissais pas ça. Vas-y! C'est quoi ça? Ça, c'est le Golden Gate Bridge. Wow! Excellente réponse! Oula, t'as des connexions. C'est un chirurgien. C'est un chirurgien qui a écrit ce livre. On a déjà vu son premier livre. C'est son super intéressant. On est censé être là pour faire les magasins, on est censé être là pour aller au cinéma. Elle veut aller voir Beetlejuice. Je n'ai aucune idée de ce qu'est Beetlejuice, je sais juste qu'il y a Jenna Ortega. Je vais juste regarder combien ils sont. Oui, bah on va repasser par là après. Après, on pourra faire les magasins. Là, il faut qu'on aille au ciné. On va aller regarder ça. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne suis pas sûre que ce soit ma cam parce que Tim Burton, généralement, c'est pas trop ma cam. Mais bon, voilà. On fera un petit retour à la fin. On n'est jamais allé dans le centre commercial. Trop beau le cinéma. Je crois que c'est le mall, le meilleur mall que j'ai jamais vu. Anna, elle a eu un petit crush sur le mall. Qu'est-ce que t'as pris au lieu de prendre des popcorn? On a pris des cochonneries. Voilà. Des bonbons. Ah, c'est du voir. C'est des tout petits bonbons comme ça. Et moi, j'ai pris mon petit péché mignon du cinéma. Et ma gourde. Sens. Avec ma petite sandale. Je l'ai mise là parce que sur mes clés, c'était. Je peux plus mettre les clés dans la poche. Bref. On va aller voir Beetlejuice. On peut s'allonger, ça c'est bon. On met les pieds en l'air. Et on a même une petite table individuelle. Voilà, et avec notre petit pot individuel. Alors, il est bien ce cinéma? Elle est trop contente. C'est bien la petite table? Si on n'en veut pas, on la dégage. Hein. Voilà. Hein? On reviendra celui-là? Ouais. C'est bon, t'es calé? En plus, on a bien les fesses en bas, les gens. Les en fait, j'avais pas vu ça, j'ai fait, on peut pas s'allonger, c'est un scandale. Non, on peut s'allonger, et par contre, il n'y a pas l'option chauffe. Hein. Les sièges ne chauffent pas. Oui, ça s'appelle de l'arnaque, ma chérie. T'as pris ta petite bouteille d'eau aussi. Ouais. On mange pas tout.
Non. Allez, bon film. Parti. On est tout devant, du coup. C'est un peu réveillé à la rage pour la réservation du film. Lana, tu ne choisis plus les films. Un seul mot. WTF. Non, c'était sympa. C'était comme je le pensais. Mais c'est dingue parce qu'ils ont repris vachement le casting de Wednesday en fait. Hein. J'ai mal à l'œil. J'espère que tu vas pas faire des cauchemars après ça. Hein. Parce que franchement, il y a des scènes, c'est un peu hard quand même. Bon, bref, allez, un peu de shopping pour changer les idées. Là, ça te va mieux? Du coup, tout le monde est parti, je vous montre la salle. C'était des fauteuils comme ça, qui s'allongent complètement. Voilà. Allez, elle est toute petite cette salle, hein. C'est l'une des plus petites. Regardez où elle m'a emmené. Son nouveau délire. Regardez-moi ça, il s'est bien présenté. Désolée, je suis en train de finir le montage qui va sortir juste après. Oreo! Et j'ai complètement oublié de conclure, mais alors complètement, je viens de m'en rendre compte en montant mon vlog. Donc voilà, il n'y a pas eu de haul du mall d'après le ciné parce qu'on n'a absolument rien acheté. Voilà. Du coup, bah, écoutez, je vais vous laisser là. Ce vlog est extrêmement long. Je suis désolée, je vais essayer de faire sur moins de jours la prochaine fois parce que vraiment il est vraiment très très long. Donc voilà, écoutez, merci de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau Weekly Cali Vlog et je vous fais plein de bisous. Bisous.